Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai changé mon micro, donc j'espère que le son sera un tout petit peu meilleur. On va voir ça. On se retrouve pour un petit opening pack. En ce moment, un peu moins de vidéos d'achat-revente, tout simplement parce que le marché fait tout et n'importe quoi et c'est assez compliqué sur les joueurs que je cherche à acheter. En tout cas, je pourrais faire, en tout cas sur les joueurs un peu moins chers, pour vous montrer. Mais c'est vrai que je voulais faire des vidéos avec ce que j'utilisais avant et en tout cas comment je fonctionnais. Malheureusement, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc le plus simple, c'est de se faire un peu d'opening pack. C'est toujours sympa et au moins c'est distrayant. On sait jamais. Si on pouvait tomber sur un Ronaldo ou un Ibrahimovic boost, on ne cracherait pas dessus. Donc on est parti. Allez, le premier pack. J'espère qu'on va avoir de la chance. Je sais pas combien je vais en ouvrir. On verra bien. On commence avec un petit Raúl Albiol. Oh, C'est pas que je suis en train de me gratter la gorge, hein. C'est tout simplement que bon, ça pourrait être pire. Pour début, ça pourrait être pire. Ça pourrait être largement mieux, mais ça pourrait être pire. Je vais peut-être pas le répéter une troisième fois, mais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, le marché est vraiment assez particulier. Je sais pas trop quoi en penser. Ça s'appelle. Oh, Glick. C'est Glick. Il y a Vlor et Glick. Ces joueurs-là veulent absolument être dans mon équipe. Hein. C'est le type de joueur par excellence qui se disent, tiens, et si on allait l'emmerder un peu, ça pourrait être sympa. Allez. Allez, si t'es champion. Allez, un petit Ibrahimovic boost là. Cabaye. Cabaye, cabaye. Oh, bon. Non, ça marche pas sur cabaye. Bon. On remarque qu'il n'y a plus un seul joueur que je n'ai pas. C'est plutôt embêtant. C'est plutôt embêtant. Hop, allez, on vend ça rapide le reste. Oh, Varela, j'aurais pu le revendre, mais bon. Mais alors, oui, pour revenir au marché, vraiment, je sais pas trop quoi en penser. J'espère qu'il va y avoir plutôt une stabilité, mais je ne pense pas parce qu'il va y avoir la Totti qui va sortir avec les meilleurs joueurs de l'année. Donc, franchement, je suis plutôt pessimiste sur. Sur le marché à l'heure actuelle, c'est plutôt assez compliqué. En plus, je me fais une spécialité d'acheter des joueurs qui ne se revendent pas. Cruz! Cruz, Cruz, Cruz! Pas mal ça c'est bon. Ça c'est plutôt bien. Allez hop! On stocke dans le club. Oh là, trois joueurs que je n'avais pas. Ah voilà, un bon petit joueur, Cruz. Bon, ça doit pas valoir des 1000 et des 100, mais ça se prend quand même. Allez, un petit 85, on enchaîne avec un 75. Ça, c'est pas bon. Ma blague est pourrie, mais elle me fait rire. Je suis désolé. On peut pas avoir le meilleur des humours tout le temps. Hein. C'est comme ça. Ouais, avec la Totti qui va sortir, malheureusement, j'ai peur que les prix chutent encore. Et comme je vous disais, je suis le roi d'acheter des joueurs que j'ai du mal à revendre, comme Robben. Là, je me retrouve avec je sais pas combien de Robben encore sur les bras. Faut que j'arrête avec ça. C'est vraiment une mauvaise idée d'avoir trop de joueurs. Et en plus, si Bale se revend très bien, il y a des joueurs quand même qui ont des difficultés, en tout cas, qui sont plutôt chers et qui ont du mal à partir. Et Robben, j'ai l'impression, en fait partie. C'est vraiment eu dommage de ma part de commettre tout le temps la même erreur parce que là, si on regarde sur ma liste des transferts, oh, j'ai vendu un Cavani, super! J'ai du Lewandowski, du Ribéry, du Di Maria, du Robben, du Lewandowski. Oui, je suis pas que à 2 millions, hein, c'est que j'ai encore beaucoup d'argent. Et les Robben, voilà, j'en ai 3 et encore, je vais perdre de l'argent sur les 3. C'est-à-dire qu'avec la taxe, soit j'attends. Et j'ai une chance que les prix remontent, et j'en ai 5 Robben. Soit j'ai une chance et les prix remontent, et là au final je ne perds pas d'argent. Mais au final j'ai bien peur que là avec tout ce qui va se passer au fur et à mesure, j'ai bien peur que les prix continuent à chuter. Et si c'est pour me retrouver avec un Robben qui vaut plus que 1 million, je préfère essayer de m'en débarrasser maintenant, au moment où j'ai peut-être une chance de perdre le moins possible.
Voilà, donc c'est une erreur de ma part sur des gros joueurs comme ça, à part si vraiment on a fait une super occasion, tout. Là, c'était vraiment pour gagner à chaque fois 10-15 000 crédits. Et au final, je ne les ai pas vendus assez rapidement. Et en les vendant pas assez rapidement, les prix ont chuté. Et au fur et à mesure, je me retrouve dans la panade. Expression interdite depuis 88. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Bon, après, si j'arrive à tout vendre, là, comme c'est mis dans ma liste de transfert, je dois toujours être à peu près autour des 10 millions, malgré tous les packs que j'ai ouverts. Hein. Et Dieu sait que j'en ai ouvert ces derniers temps du pack. Ça, on va le mettre dans la liste de transfert. Qu'est-ce que j'en ai acheté des packs? Bah, quand on voit le nombre de joueurs que j'ai dépassé la barre des 1200, je crois. Donc bon, c'est plutôt sympa. Allez, on a eu un bon petit cruise là, et ça y est, on retombe dans de la monotonie du joueur pourri. Bourdisson. Bourdisson. Bon, j'espère que mon micro va plutôt bien marcher. Bah, en tout cas, le casque, je me suis fait bien arnaquer. Hein, il faut dire les mots comme ils sont. Hein. C'est nul encore. Oui, voilà. Je pensais que c'était mieux que ça. Je l'ai trouvé en magasin. Il était plutôt sympa. Et au final, je l'ai acheté 10 euros plus cher que ce qu'il coûtait réellement si je l'avais chopé sur le net. Et il avait que 2, 3 sur les numériques et sur d'autres sites. Donc au final, pas terrible. Je voulais absolument un casque sans fil. C'est quand même bien plus pratique pour moi. Ah, c'est sûr que les sons extérieurs, je les entends pas. Quand j'ai le casque sur les oreilles, vous pouvez me parler. J'entends plus personne. Hein. Je suis complètement dans ma bulle. Hein. Mais bon. Très difficile à paramétrer, très difficile à régler. Franchement, pas un super achat. Oh, Romao, mais Romao, je ne te veux pas dans mon équipe. Je ne te veux pas. Allez, on vend ça rapide. C'est plutôt perturbant de pas s'entendre comme d'habitude. En général, j'entendais très bien ce que je disais. Là, j'entends qu'à moitié ce que je dis. C'est plutôt embêtant. Bon, hein, on a eu un petit cruise là. Je me suis dit, ça y est, on est parti sur une bonne dynamique. Eh ben non! T'y as cru! Allez! Oh, Leandro Castres. Bon, ouais. Pour être pire. Ça, on va le mettre en vente. Envoyer vers la liste. Allez, hop, on vend ça. Moi, 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 moi. Allez, 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 allez. Lennon. Lennon. Ça n'a jamais valu grand-chose, Dos Santos. Ça n'a pas valu grand-chose. Pourtant, c'est quand même plutôt un joueur qui a des stats correctes. C'est bizarre quand même qu'il est. Même sur au début de FIFA 15, il coûtait quasiment rien. Il était tout de suite à 1000 crédits. C'est plutôt bizarre pour un joueur avec des stats pareils. Je sais pas trop pourquoi ce manque d'amour pour ce joueur-là. Alors après, il y a énormément de joueurs milieu droit ou milieu gauche qui ont des statistiques de folie. Regardez Jarvis, 87 de vitesse. Voilà, donc il y a énormément de joueurs qui ont des très bonnes stats, en tout cas de vitesse et de dribble sur les côtés. Et malheureusement, il n'a pas été choisi parmi les chouchous des gens. Voilà, Sakho, Sakho, jeté déjà. Voilà, on va pas le vendre rapidement. Bon, pour le moment, pas grand-chose, hein, à part ce petit Crous là qui m'a donné un petit sourire là en début. Là depuis, c'est un peu le calme plat. Oh là là, Ned Goland. Deux poitres. Bon, moi je les avais pas, c'est déjà pas mal. Ça en fera deux plus dans ma liste. Moi, ça m'a permis de faire certaines compétitions que je n'avais pas pu faire pour le moment où il fallait avoir 11 joueurs avec des championnats différents et pas plus de 2,5 étoiles. Ça m'a permis de remporter, c'était un pack or ou je sais plus, un pack contrat, je pense. C'était en solo. Voilà, ça m'a permis au moins de faire ce type de compétition. J'ai tellement de joueurs que je peux faire toutes les compétitions. Alors hop, un petit pack gratuit, ça se pourrait toujours bon à prendre.
Tout le reste, on vend rapide, ça vaut pas grand-chose. Allez! Oh, yay, notre ami Bentner. Pedini, bon, on les a tous. Bon, tout le reste, ça vaut rien. Allez, 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 allez. Ben Arfa. Petit 5 de skill. Oui. Bon, je ne l'ai pas, au moins, ça va. Je l'ai. Pareil, ça fait un joueur de plus. Mais bon, c'est pas le type de joueur que je cherche. Là, ça serait un peu un boost hein, que je voudrais. Pour essayer de compléter mon petit listing de joueurs boost. Malheureusement, ben, là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est plutôt embêtant. Allez. Bon, toujours rien pour le moment, hein. Vraiment pas très intéressant ces petits packs à la suite là. J'espère qu'on va en choper un bon là. Ouais, non, c'est nul ça, c'est à chier. C'est à chier. Ander Herrera que je n'avais pas. Bon, en tout cas, on se retrouve demain soir pour un opening pack live. J'espère qu'il y aura plus de chances que là pour le moment. Pour le moment, en tout cas, c'est que je suis peut-être en train de garder toute ma chatte pour demain. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, on va dire qu'on n'a pas eu besoin de crier, hein. On n'a pas eu besoin de crier. Bon, avec tous les packs que j'ai ouverts là, on pourrait bien m'offrir un petit Ibrahimovic boost quand même au bout d'un moment. Ou un Messi ou un Ronaldo. Tous les packs ouverts quand même. Quand même. Ça mérite bien ça quand même, non? Bon, non, pour le moment, que dalle. Aïe aïe aïe, Fazio, qui est pour la 45e fois dans mon équipe. Ouais, hop, on vend tout. Ça vaut pas grand-chose. Bon, si ça continue comme ça, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette soirée. Hein. Ouais, il faudra avoir la Kallström. Kallström, il y a encore quelques années, pourquoi pas, mais là, non, Kallström, non. Je dis non. Allez, ça dégage. Bon, il y a vu un peu. Vous aurez sûrement regardé la vidéo avant que j'ai fait sur les packs à 15 000. Donc, bon, je vais pas vous faire spoiler si vous avez pas vu la vidéo. Il y avait des packs à 15 000 aujourd'hui avec 7 joueurs. En tout cas, 7 éléments rares à l'intérieur. Il y en avait 10. Donc, je vous laisse découvrir. Oh là là, mais là, c'est j'enchaîne caca sur caca. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je calcule le nombre de packs que j'ai ouverts et de voir que quand même les meilleurs joueurs que j'ai ouverts, c'est Lewandowski et Neuer quand même. Johnson. Ouais, c'est pour le moment, c'est vraiment des packs petits. Hein. Je suis pas en grande forme dans les packs. Hein. Il y en a qui ont beaucoup plus de chance. Alors après, est-ce qu'on a beaucoup plus de chance quand je vois certains joueurs qui utilisent les jetons FIFA? Le fait que c'est acheté, est-ce que dans l'algorithme aléatoire, est-ce que ça change un minimum? Et donc on a beaucoup plus de chance d'obtenir des gros joueurs quand on utilise des points FIFA plutôt que quand on utilise des crédits. Je ne sais pas. Ça pourrait être le cas, hein. Ça serait pas illogique non plus. Je pense que ça peut être le cas. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais ça pourrait, ça, c'est pas absurde de penser qu'il y ait une différenciation du moment que vous utilisez, vu que c'est pas le même bouton. Oh, Color Off, c'est pas si mal que ça, un petit Color Off. Vu qu'on utilise deux boutons différents, ça ne lance peut-être pas forcément la même cinématique et derrière le même algorithme qui va attribuer les packs. Donc non, c'est possible que les joueurs qui ont des FIFA points plutôt que des crédits aient plus de chances, en tout cas, d'obtenir des meilleurs packs. Ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre dans le lien de la description un petit lien ou Courtois! Oh! 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 Oh!
Ah, ben voilà, c'est le type de joueur qu'on veut. Voilà, ben derrière Neuer, c'est le deuxième meilleur gardien du jeu, c'est bon. J'ai dit Monsieur Courtois. On va regarder. On est obligé de regarder le prix de Courtois, on doit être dans les 100 000, non? Dans les 600 000 Courtois. Ah là là, c'est vrai que c'est chiant ça qu'on est en plein écran. Bon, c'est pas très grave. Mais oui, on doit être pas loin des. On ne doit pas être loin des 100 000. Ah, ça rembourse un peu les crédits utilisés avant, à certains éléments. Ouais, tu prends ton manteau, tu t'en vas. Ah, mais ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Mais bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous mettrai dans la description un site qui va vous permettre d'acheter des points FIFA moins chers que si vous voulez vraiment en acheter. Et après, il y aura un autre site dans lequel j'ai entièrement confiance pour l'achat de crédit. Mais je vous ai déjà mis les liens dans toutes mes vidéos, vous pouvez l'obtenir. J'ai 100% confiance dans ce site. En plus, je suis en contact avec des personnes de là-bas de. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter, je m'en occuperai pour vous. Évidemment, si vous faites partie de mes filleuls, évidemment, si vous ne faites pas partie de mes filleuls, ils en auront rien à foutre, hein, il faut le dire clairement. Ils vont pas s'occuper de vous si vous ne faites pas partie de moi directement, en tout cas de mes filleuls. Les Desma. Je me mets à chanter de plus en plus souvent. Allez. Ah, ça fait plaisir. Un petit Courtois. Ça fait plaisir. Et on nous sort une purge. Isaacson, la purge. Ce n'est pas intéressant, Isaacson. Arrête de sortir. On ne veut pas de toi. Je sens le boost là. Je sens. Alexis Sanchez. Richards aussi. Ah, ça c'est un pack qui vaut de l'argent. C'est un pack qui vaut de l'argent. C'est les deux confondus. Ça doit être au-delà des 50 000 crédits. Je dis Monsieur Sanchez. Ah, mais voilà. Ça c'est des packs qu'on aime. C'est des packs qu'on aime. Oh là 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 là, ça fait plaisir, c'est un petit pack, un double à l'intérieur. José Enrique. Non, José Enrique, ça. Pff, ça fait ça. José Enrique. Je ne vais pas te vendre instantanément. Parce que je pense que tu as un tout petit peu de crédit. Tout petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te garder. Je vais t'envoyer. Ah là 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 là. Là on monte en régime. Ça, évidemment que ça sent le Ibrahimovic boost. Bon là on passe parce que là on a de la merde, mais ça sentait, ça sent le boost. J'ai déjà eu Papy Cissé. Alors je sais pas si vous avez pas vu la vidéo, évidemment là je vous spoil. J'ai eu Papy Cissé, j'ai eu Perisic. Donc j'en ai déjà eu deux hein, quand même boost sur celui-là. J'ai toujours pas préparé la vidéo. Je me fouette là en ce moment. Tout simplement parce que je n'ai pas enregistré le son au moment. Et donc je vais enregistrer le son après. Ce qui enlève tout intérêt pour moi au final. Voilà. Ce qui est intéressant dans les packs, c'est d'avoir ma réaction sur le moment. D'avoir une réaction post-pack, c'est pas toujours intéressant. Mais juste de mettre de la musique, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc il faut que je trouve le temps de juste enregistrer ma voix dessus. Voilà, c'est pas ce que je préfère faire, donc pour le moment, la vidéo traîne, on va dire. En longueur, Aubameyang! Voilà, ça c'est bon, ça, un petit Aubameyang aussi. Avec un petit Welbeck. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne l'avais pas. Mon petit Aubameyang. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, il va aller, c'était transfert. Oh, Sigurdsson, là, ça vaut pas grand-chose. Ah, là, ça c'est bon, ça! Bon, j'aurais préféré quand il était boost. Là, avec tous les petits joueurs intéressants qu'on a, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un très gros joueur qui tombe. Je n'arrêterai pas tant qu'il n'y a pas un très gros joueur qui tombe. Courtois est un très bon joueur, un joueur qui coûte de l'argent. C'est pas un très grand joueur. Très grand joueur, moi, c'est le million. Le million, le million. Vous allez vous embrasser, bordel de merde? Je fais des vieilles références pourries, mais c'est pas grave. Oh, Team Howard, qui a des stats de folie quand même dans le jeu, hein, qui ne mérite pas ces stats de 84, 83, 82 quand même. C'est quand même
tout petit peu abusé. Fait partie quand même des meilleurs joueurs, meilleurs gardiens du jeu quand même, hein, avec ces stats-là. Il manque un peu de vitesse, sinon il serait vraiment un très très bon gardien du jeu. Oh. Scharfer. Schaeffer, Schaeffer. Hop, on dégage. On dégage. Allez, champion. Moi, je veux du lourd. Je veux du lourd. Je veux du lourd. Oh là là. Adrian. Adrian. Qui a des bonnes stats, hein, quand même. On va peut-être pas le vendre instantanément, lui. On va le mettre en vente. Qu'est-ce qu'il y a des stats plutôt intéressantes. Allez, Timo Ward, je viens de t'avoir il y a 2 secondes. Maintenant, il faut me faire plaisir. Il faut me faire plaisir. Il me faut un Ibrahimovic boost. Non, Tovin. Non, Tovin. Un petit rototo. Un petit rototo. Allez. Sors-moi du lourd là. Oh là là, soldado, soldado. Non. Je dis non à soldado. Rien contre lui, mais alors dans le jeu, pareil, hein, c'est une purge. Il va pas vite. Alors, il frappe bien au but, c'est bien, mais bon. Pour frapper bien au but, c'est bien d'avoir un minimum de vitesse au moment où il se retourne. Un minimum de dribble pour pouvoir se défaire de l'adversaire. À voir si on engage et qu'on frappe direct. Ça sert pas à grand chose d'avoir une grosse frappe de balle. Dis donc, la coupe de cheveux est interdite depuis 87. Hein. Attention, mon chéri. Hein. Là, tu peux pas faire ça quand même. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Bon. Et je pense que ma stratégie. Le fait d'avoir des points FIFA fait la différence quand même. Je le pense sincèrement. Après, bon, faudrait que j'achète des points FIFA pour voir si c'est vrai, pas vrai, etc. Et je n'achèterai pas de points FIFA. Allez. Oh là 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 là. Vermeer. Non, non, rien ne vaut le coup, rien ne vaut le coup là. Dommage, là on a eu 2 petits 3 packs là qui étaient plutôt intéressants. C'était plutôt sympa. Et là on redescend sur du 75 pourri. 10 Santo. 10 Santo, Santo. Et nul cette blague. Fait rire. Allez. Bon là il faut choper du gros. Il faut choper du lourd. Du gros, du lourd, ce qu'on veut, mais quelque chose. Aïe aïe aïe, Montolivo. Qui était bon dans l'année dernière, qui était bon. Là, bon, il a toujours 81, mais il est plus hors rare. Donc bon, tout ça, ça se vend rapide. Hein. Bon allez, j'arrive à 17 000 et j'arrête parce que je vais garder quand même pas mal de crédit pour demain. On a eu quand même 2-3. Oh, Julio César 82, c'est ça. Le 82 est beau, le Julio César est beaucoup moins beau. Bon, ça vaut pas grand-chose. Allez, hop, on vend. Allez, il va nous rester 5 packs, 5-6 packs. Non, ouais, presque 7. Presque 7 packs. Avec ce qu'on va vendre au fur et à mesure, peut-être que si. Allez! Schneiderlin. Schneiderlin. Alors je ne pleure pas parce que c'est Schneiderlin, je pleure parce qu'il est pourri dans le jeu. Il est pourri dans le jeu. Encore le Schneiderlin Coupe du Monde de l'année dernière en vert. Bon, encore là au moins c'était plutôt intéressant. Aïe, aïe, bon, au moins un pack or gratuit c'est déjà mieux que rien. Ça se prend. Allez hop, t'en vas toi aussi. Oui, bravo. Bon, plus que 4, 4 ou 5. Ah, il faut du lourd là. Il faut du lourd dans les 5 derniers, il n'y a pas le choix. Oh non, 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 Foster, Foster. Pas le 3. Ben Yedder. Très, très, très bon joueur.
Ancien joueur de futsal. Qui fait des merveilles à Toulouse. C'est même bizarre qu'il reste encore à Toulouse. Hein. Ça doit faire 3 saisons que il explose à Toulouse. Surtout l'année dernière qu'il a explosé. Et qu'ils sont encore à Toulouse. C'est même étonnant. Pour le moment, il est plutôt fidèle au club. Alors, est-ce que c'est qu'il est fidèle au club ou qu'il n'a eu aucune proposition intéressante? Je pense qu'à l'heure actuelle, les footballeurs professionnels sont devenus des mercenaires. Je pense que c'est qu'il n'a pas eu d'offres très très intéressantes. Ramos, que j'ai déjà eu. 15 fois, Ramos. 15 fois. Ça suffit. Je t'aime bien en joueur. T'es pas mauvais. Allez, vas-y, transfert. Tu prends ton manteau, t'en vas encore. Ouais, on a presque 3, encore 3 packs, à force. Allez! Allez, Timo Ward, hein. Je t'ai eu, je t'ai dit que t'avais des bonnes stats. Non, et tu me récompenses comme ça. Honte à toi, Timo Ward. Honte à toi. Allez, ça nous en fait 4, 2 comme ça et 2 gratuits. J'espère qu'on va pouvoir crier un peu sur la fin. Oh là 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 là, non. Oh là 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 non. Pourri. Pourriche. Bon allez, un dernier. Allez, fais-moi rêver là. Fais-moi rêver. Sur un dernier comme ça. Allez. Oh non, Gaëtan. Un des seuls joueurs hors nom rare à 82. Bon. Pas terrible. Allez, il nous en reste deux gratuits. On sait jamais. La gratitude. Allez! Ça a chier. C'est à chier. C'est à chier. Il faut le dire. Pas intéressant. Hop, on va rapide. Allez, il nous en reste un petit dernier. Un petit dernier gratuit. Après, on se retrouvera demain pour la suite. Allez, je tape. Oh là là, Ressé Rodriguez. Qui est un bon joueur, qui est un bon joueur. Mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien en termes de. En termes pécuniers, c'est zéro. On va quand même l'envoyer parce qu'on va pas le vendre comme ça. On va se le garder. On va se le garder. Bon, mais voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'opening pack. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le live. Donc pensez bien, vous pouvez retrouver le lien. Je vais le mettre dans la vidéo pour que vous puissiez vous connecter. Je vais également vous mettre. Deux sites, un site pour pouvoir acheter des FIFA points moins chers que si vous les achetez directement via Origin. Et il n'y a pas de problème, j'avais déjà testé une fois, ça marche parfaitement, c'est sur Kangouin. Et un autre site que je vais vous proposer, voilà, pour acheter des crédits, ça sera également dans la description. Ça permet toujours de pouvoir se lancer soit dans l'achat-revente et ça va pouvoir également vous permettre d'ouvrir des packs si c'est ça qui vous intéresse. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87000, allez, ciao!